Bonjour Pascal, vous avez perdu contre Courdujeu du jeu face à Wascal. Quel discours on tient après un match comme ça? Oui, bonjour. Toujours difficile après une défaite de toute façon, mais c'est ce que aussi j'ai voulu montrer en vidéo parce qu'on ne fait pas un si mauvais match que ça, mais on fait surtout quelques erreurs individuelles qui nous pénalisent. On prend un but à la 41e suite à une touche et on prend un but sur le seul corner qu'ils ont, je crois, au deuxième corner du match juste en début de seconde mi-temps. Donc c'était difficile, mais on n'a pas lâché, on s'est créé beaucoup d'occasions sur la dernière demi-heure, malheureusement sans réussite. Mais c'est ce qui arrive aussi quand on est mené au score, on ne fait pas toujours le bon geste. Donc il faut rester confiant, on a montré quelques lacunes, on a aussi montré quelques qualités. Donc il faut s'attacher à les développer encore plus. Comme tu viens de le dire, vous avez créé beaucoup d'occasions. Après un match comme ça, on travaille comment? Plus sur l'efficacité offensive ou défensive? Je crois que dans la situation où on est, il faut tout travailler. Donc voilà, mais il faut permettre aux joueurs de se sentir bien sur des situations, aussi marquer des buts et puis concrétiser nos temps forts et être encore un peu plus vigilant, beaucoup plus exigeant aussi défensivement. Saïd Darduri n'avait pas commencé ce match avec une gêne au dos. Est-ce que tu peux nous donner de ces nouvelles? Oui, ça va. Saïd avait pu s'entraîner que 2 fois la semaine dernière et pas tout le temps à 100%. C'est pour ça que j'avais pris la décision de le laisser sur le banc. Mais là, aujourd'hui, voilà, il est totalement rétabli et prêt à aider l'équipe. Demain, déplacement à Bourg-Péronnas pour affronter le troisième. Pour ce déplacement, vous partirez le jour même en bus. Comment est-ce que cela influence la préparation d'un match? Tout dépend de la distance, hein, mais c'est vrai que de partir tôt le matin et de pouvoir manger sur place, se reposer aussi dans des chambres à l'hôtel, c'est important pour la récupération du voyage et puis surtout pour bien préparer le match. Donc effectivement, pour moi, c'est indispensable d'être vraiment le jour même, plusieurs heures avant, pour pouvoir bien préparer le match. Donc vous allez affronter Bourg-Péronnas dans un beau stade, avec un beau terrain, des conditions idéales pour jouer au foot. Oui, effectivement. En plus, une belle équipe hein, qui est troisième du championnat. Voilà, maintenant c'est le troisième match retour. Sur les matchs retour, on a 2 victoires. Le match de Wascal, c'était le dernier des matchs aller. Donc voilà, on a un petit challenge à relever entre nous. Les joueurs le savent. Donc on va tout faire pour ramener les 3 points à Colmar. Est-ce que tu disposeras d'un groupe au complet? Oui, à part Lucas Toussaint qui est toujours en reprise par rapport à son pied, pour le reste, tout le monde est apte. Donc voilà, les choix de plus en plus difficiles, mais c'est le travail de l'entraîneur de choisir pour avoir la meilleure équipe possible. Très bien, merci Pascal, à demain. Merci.